Yo tout le monde, comment ça va? Moi tranquille, on se trouve dans une vidéo, nouveau petit concept. J'ai pensé à ça ce matin, je me suis dit, ouais, tu sais quoi, je vais le faire, je vais tenter, tu vois. Dites-moi en commentaire, les gars, si vous kiffez ce genre de vidéo, donc en début de semaine, donc le lundi, toujours le lundi, peut-être le mardi aussi, c'est possible. Donc en gros, ça consiste en quoi? Tout simplement, au début de la semaine, je vais faire des vidéos pour, on va dire, résumer, donc ça dépend s'il y a beaucoup de choses à dire. Tu vois, des fois il y a des semaines où il n'y a rien à dire, donc forcément je vais pas faire une vidéo de 3 minutes. Mais en gros, je vais faire les news qu'on a pour le moment. Donc ce que tu dois. Enfin, ce que tu vas avoir sur la globale, ce qu'il va avoir sur la JP. En tout cas, ce qu'il risque d'avoir. Voilà, toutes les infos qu'on a à l'heure actuelle. Donc le lundi où je tourne cette vidéo. Donc comme j'ai dit, petite vidéo le lundi. Vidéo pour bien commencer la semaine, j'espère que vous le taf, etc, c'est tranquille. Je sais pas s'il y a encore des examens les gars, tout ce qui est bac, etc, même des concours. Et voilà les gars, bonne chance, j'espère que vous allez tout déchirer. Et sans plus tarder, nous les gars, let's go pour la première info de la semaine. Alors pour commencer, page note sur la globale, donc bien évidemment, bah ban, hein, genre, bon je savais qu'elle est arrivée, hein, logique vu que c'est... Bah, pareil que la version JP, pardon. Parce que m'a fait un peu rigoler. Cela fait déjà 2 ans que nous avons présenté pour la première fois cette DS en Corée et au Japon. Ok. Afin de célébrer ce 2e anniversaire. Donc, ouais, bon, bref, en gros. Bon, bref. Enfin, je comprends pas, c'est que. C'est en mode. Bah, on fait le 2e anniversaire sur la Glow alors que. Bah, c'est pas les 2 ans, tu vois. Genre, en gros, là, il dit juste qu'en fait, comme c'est les 2 ans sur la Corée et au Japon, bah, on fait pareil, genre. Enfin. Ok, bon, c'est un peu bizarre comment c'est dit, mais en soi, c'était sûr qu'elle allait avoir ban, hein, genre... Bon, est-ce que y avait une surprise? Pas du tout. Quoi, afin de célébrer ce 2e anniversaire, nous avons préparé tout un tas d'événements et de mises à jour, nanana, ouais, bon. Ça, les gars, je vous dis, nos trolls, avec mon expérience, c'est nul. Genre, vraiment, cette phrase ne veut strictement rien dire, en fait. Je vais te résumer, en gros, le... La mise à jour ban, en gros tu vas invoquer sur le portail, ban ou fever, hein, peu importe. D'ailleurs je t'invite à regarder ma vidéo pour savoir si tu dois invoquer ou pas sur le portail fever ou ban, hein, très très intéressante. Voilà, je te mets pas le lien en description, tu vois, tu vas sur la chaîne et c'est la 2e vidéo. Donc voilà, donc en gros la célébration ban se résume à un portail, donc on va dire deux portails, nouveau chapitre, qui d'ailleurs n'est vraiment, il est vraiment pas ouf. Hein. J'ai dû faire un live en vrai je pense, chapitre, c'est sûr. De mémoire, hein. De les gars, guide crocodile, il y a tout hein, sur ma chaîne YouTube. La tour, nanana. Ouais, non, j'ai dû faire un live, ouais, voilà. Bon, la miniature d'ailleurs, elle est fausse, mais ouais, chapitre 18. Je t'invite à regarder le live si tu veux voir le chapitre en avance, mais vraiment, il est un peu éclaté, je trouve. C'est un peu dommage. Après, c'est quoi? Ouais, bon, classique, je te laisse lire les événements. Le crocodile. Le crocodile, j'ai fait un guide sur ma chaîne, pardon, donc tu tapes guide pour le crocodile Iron Grand Cross et tu vas trouver genre vraiment le crocodile. Si t'as les personnages, c'est pas compliqué, si tu les as pas, ça va vite te saouler, enfin, regarde la vidéo, tu verras. Après, y'a quoi? Ouais, ok, d'accord. Ça se prend. Ok, ok. Ban purgatoire, les skins, ouais, logique. Les packs, bon, d'ailleurs, y'a pas mal de packs dans cette célébration. Tour des épreuves, étage 5. J'ai fait une vidéo aussi d'ailleurs les gars, tu tapes étage 5 Iron Grand Cross, t'auras tout hein, comme d'habitude. De toute façon sur ma chaîne frérot il y a tout, hein. C'est la caverne d'Ali Baba. Ça le truc des démons, donc en gros c'est une sorte de matchmaking. Ça marche comment? Tu fais... Bon ok ça charge le jeu. En gros tu fais ça, tu choisis ton démon, c'est 3 par jour maximum. En gros ça compte pas dans tes démons que tu fais pop toi-même. Après tu peux aussi choisir des belles mosses. Mais en gros en tout cas ça marche comme ça, tu choisis ta difficulté. Voilà, après c'est un matchmaking et ça cherche un mec et voilà, après t'acceptes ou pas. Enfin, voilà, c'est très très bien en vrai. Meilleur ajout de la mise à jour de l'anniversaire sur la JP. Après t'as ça aussi, donc le bouton open, tu peux choisir les gens avec qui tu veux faire le démon. Donc vraiment c'est très très bien. Donc ça, le bouton open en gros, c'est les gens qui utilisent le matchmaking quoi, tout simplement. Après Arthur ajouté dans le pool, ok. Enfin dans les tickets race, tu connais. C'est quoi ça? Ouais, les quêtes coachy, ok. Mode boss. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont mis comme la JP, donc ouais, pourquoi pas. Ça, bon, ajout d'un système pour en gros le grade des titres. Bon, c'est pas non plus utile. Enfin, voilà. Comme je t'ai dit, la mise à jour se résume à ban purgatoire et un solo. Voilà. Genre, vraiment, c'est pas non plus oufissime la mise à jour. Genre, vraiment, bah, attends Ragnarok. Dis-toi que si on va dire t'as hypé par ban, bah, t'auras juste ban, on va dire, ou tu vas t'amuser pendant une semaine.
Moi, je te le dis parce que bah, j'ai fait l'expérience, hein, je suis joueur JP, donc forcément j'ai un mois d'avance en termes de contenu. En gros, pendant une semaine, tu vas entre guillemets t'amuser, après t'auras fait le tour et puis tu vas ton Ragnarok, quoi. Voilà. Après, il y a quand même pas mal de choses à faire. Partie 2, normalement, il y aura le Girgacha, si je me trompe. Hein. Pas. Ticket d'achèvement. Bon, ouais, c'est pareil que la Jipon en fait. Genre, ouais, nouvelle bouffe d'ailleurs, les gars. La bouffe, c'est quoi? Je vais te dire, frérot, je vais traduire ça en deux spi. Enfin, de mémoire en tout cas. Alors, donc c'est ici. C'est quoi la bouffe? 15%. Donc, ça, c'est dans le spé donjon, les coffres dorés, ils ont 15% de chance de pop. Hein, en plus. Genre, en gros. Enfin, c'est pas 15%. Genre, c'est pas très. Par exemple, la chance de faire pop un coffre doré, c'est 3%. C'est pas 3% plus 15%. En gros, c'est 15% de 3%. Je sais pas si tu comprends. En gros, c'est pas non plus un item officiel. Honnêtement, on a fait les tests et bah, c'est pas ouf. Hein. Ça, c'est un item très très intéressant si tu commences le jeu. Donc, en gros, t'as dégâts subis moins 50% en PvE. Donc, ça marche pas en démon ni en PvP. Donc, ça, je vais te dire logique. Ça, c'est quoi? C'est. Je crois que c'est 100% de chance d'avoir un coffre doré en démon. En démon L, je crois. Un truc comme ça, ouais, c'est ça. Yep. Donc voilà les gars, célébration ban qui est pas non plus dingo en vrai. Pour un anniversaire, c'est comme je le disais, bon de toute façon t'as mon avis sur l'anniversaire. Y a rien de ouf, mais en tout cas, j'espère que tu auras de la chance sur tes poules. Et nous demain. Demain, attends, on est mardi, ouais, normalement. Donc ouais, je tourne vraiment la vidéo très très rapidement. De toute façon, je pense que je vais l'upload à 13h. Hein. Donc ouais, demain. Bon ouais, je vais l'upload directement. Je voulais l'upload à 17h, mais non, ouais, c'est quoi, on va le mettre directement. Sur la vidéo, on voit les goods. Bon, bref, peu importe, les gars. Donc, demain, 20h, live, invocation sur le compte des abos. Voilà, donc, un gros, gros live. Je pense un petit live de 2h minimum. Il y aura pas mal d'invocations à faire. J'espère que je vais avoir de la chance sur vos comptes. Et puis, voilà, on est là. Hein. Donc, voilà, les gars, pour la célébration. Ban. Donc, là, les infos pour la version japonaise. Alors, la version japonaise, on a eu le cooldown. Donc, pour Ragnarok. Donc, cooldown... Assez honteux quand même, un médaillon, bon ça voilà, les médaillons t'as l'impression frérot c'est une denrée rare dans le jeu. Alors que je sais pas pourquoi, bon bref ça c'est un autre sujet. Donc voilà les gars, petit cooldown, donc je te mets ici les récompenses. Ok, bon là c'est dégueulasse mais voilà, bon moi t'as vu. Petit cooldown, donc ça sera pareil sur la globale dans quelques semaines. J'allais dire quelques mois alors que c'est dans quelques semaines. Dans un mois en tout cas après la célébration ban. Donc voilà, comment ça va se passer? Tout simplement, on aura un live, donc mercredi 13h, donc là, ouais, coming soon, etc. Mercredi 13h live, pour en gros parler de, bah, présenter Ragnarok en détail, les nouveaux persos. Donc il y aura 4 nouveaux persos a priori. J'espère vraiment qu'il y aura des gros changements, de toute façon j'ai fait une vidéo sur le sujet pour, on va dire, mes espérances par rapport à Ragnarok. C'est où? Voilà, Ragnarok, pardon, t'as, je galère à dire Ragnarok ce matin. Ragnarok va changer le jeu, donc voilà, je t'invite à regarder la vidéo si tu veux voir mon avis par rapport à ça. Donc voilà, frérot. Ragnarok, on attend tout ça. Demain, on aura l'heure de maintenance. Je ferai peut-être une vidéo pour avoir mon avis par rapport à l'heure de maintenance, parce que bon, à force, tu connais, hein. Donc voilà, frérot. Voilà, voilà, on attend Ragnarok sur la JP. J'espère que toi aussi, en tant que joueur JP, t'as comme hâte de voir Ragnarok. Moi, j'ai surtout hâte de voir les changements du jeu. Quelques changements, en tout cas, je suis pas en mode ah, cette DS va changer de A à Z. Non, je vais pas changer de A à Z, mais quand même changer pas mal de choses très très chiantes. Donc, par exemple, les médaillons, frérot, actuellement, c'est horrible à voir. Hein. Genre, vraiment, c'est t'as envie de te pendre. Donc, voilà, frérot, Ragnarok arrive dans pas longtemps sur la version japonaise. J'ai que ça comme information à l'heure actuelle, donc je peux pas te dire. Bah, plus de trucs dans cette vidéo, hein, genre... Voilà, comme je t'ai dit, une petite vidéo avec toutes les informations. J'ai pas non plus la meilleure d'informations. Voilà, moi je te laisse frérot, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche pour être au courant de mes vidéos, et aussi de mettre ton meilleur like. Si t'aimes bien ce genre de vidéo, en vrai c'est la première vidéo, tu vois, c'est pas non plus travailler de ouf. Hein. Bah, à l'avenir, j'essaie de travailler ce genre de vidéo. Bien évidemment, on est là pour s'améliorer. Ça va de soi. Donc voilà frérot, moi je te souhaite une agréable journée, bon appétit. Bonne journée, bon goûter, tu connais les bails. Voilà, voilà. Tchuss!